On a eu l'idée d'un spectacle plutôt tourné vers le jeune public, en mettant du coup un peu d'éléments spectaculaires, de musique, de contes, des ingrédients qui existaient ici au Togo, mais qui n'avaient pas forcément été combinés entre eux, conjugués. Et ce qui paraissait intéressant, c'était de croiser cette intention de spectacle avec des projets de coopération et avec le plan d'action de l'ambassade, où beaucoup de projets autour de l'environnement, de la préservation de la nature, de la lutte contre le réchauffement climatique, sont engagés évidemment avec des porteurs de projets, avec une dimension souvent pratique, pragmatique, avec des connexions, avec des bailleurs de fonds, etc. Mais en fait, il n'y avait pas de dimension sensible, artistique, qui souvent est très efficace quand il s'agit de convaincre les publics, de faire prendre conscience d'enjeux que la société rencontre, et il nous semblait que l'enjeu climatique en était un. Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir le spectacle Iro Aye que nous donne l'Institut français à travers une première collaboration que nous espérons va donc continuer. Nous sommes vraiment heureux également parce que le public a fait massivement le déplacement de la Maison des Jeunes de Lomé pour suivre ce spectacle qu'ils ont beaucoup apprécié. On a vu les enfants. Plus de 300 personnes ou plus de 300 jeunes étaient là pour suivre ce spectacle. Donc c'est une réussite, on peut le dire déjà. On a parachute. Eh, à part ça, il y a mis dog italien. Non, mais il y a mis en combat. Ce spectacle est très bon. Ça nous permet de bien ranger nos dortoirs, nos chambres et notre environnement. J'ai beaucoup aimé là où les arbres sont revenus et tout est revenu dans l'ordre. Nous souhaiterons avoir ce type de mouvement dans Aspects Kpaïmé. Le titre du spectacle, pour moi, est déjà motivant parce que personnellement, j'ai constaté que l'homme même contribue à la destruction de l'environnement. Comment? D'abord, comment prendre soin de l'environnement doit partir de nous-mêmes. Le petit espace autour de nous-mêmes, depuis nos chambres, jusque dans nos cours et autour de nos maisons et encore plus loin. Nous disons merci. Merci infiniment, énormément ainsi. Merci de la part des enfants, des tout-petits. Merci de la part de Spes Togo. Merci de la part de Spes international, du personnel de Spes ici. Et à mon nom personnel, nous disons merci. Nous sommes à Kpaïmé, à l'orphelinat Spes, où nous avons fini de faire ce spectacle, la cinquième représentation de Iro Aye en provenance d'Agou. Ce matin, nous étions arrivés et rapidement nous avons installé la machine,
Le spectacle s'est bien passé. Il y a un public très réceptif. Les artistes aussi ont donné de leur mieux. Et tout s'est bien passé. Salut, nous voici encore à Palimé. Nous venons d'arriver au lycée de Poji. Dans les préparatifs, tout le monde est chaud comme d'habitude. Et voilà, on attend un public qui va venir et puis on va commencer. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Dans la scène, nous a donné comme leçon de morale de protéger notre environnement, de ne pas jeter les ordures, de rester dans un milieu sain, protéger la nature. C'est pour notre bien de demain, quoi. J'aimerais que ce genre de spectacle reprenne dans notre quartier à Takpamé ici. Les mots me manquent pour l'événement là que nous avons vécu ce soir. Vraiment, ça prouve qu'au CLAC, il n'y a pas seulement que la lecture, mais il y a aussi des activités socio-culturelles qui font animer vivement le CLAC. Et nous remercions très sincèrement l'Institut français. Nous remercions également la maison de l'oralité, Gabité, et Afuma. Vraiment, le public est reparti très, très, très gai, très, très joyeux. Et vraiment, le message, presque la population a reçu le message. Et notre devoir, c'est de l'appliquer. Recevoir le spectacle Irouayé qui a été produit par l'Institut français du Togo. Le but du Centre culturel L'Échangeur, c'est de favoriser l'accès aux cultures et les échanges culturels dans les lieux qui sont un petit peu éloignés de Lomé. Dans ce cadre, on a été vraiment très heureux et très honorés de recevoir ce spectacle qui, justement, permet aux gens qui n'habitent pas dans la capitale et qui habitent dans des milieux un peu plus éloignés du Togo d'accéder à des spectacles de danse, de conte, de cirque et de poésie. J'ai été très étonnée de ce que j'ai vu. J'ai vu des enfants aussi autour de moi qui étaient ébahis. J'ai vu des mamans aussi qui n'en revenaient pas et qui ont adoré. Et vraiment, je trouve que offrir la possibilité à ces gens qui vivent dans les villages au Togo d'accéder à ce genre de spectacle, c'est une idée excellente de la part de l'Institut français. Et j'encourage vraiment cette initiative et nous serons toujours très honorés d'être partenaires de ce genre d'initiative et de ce genre de spectacle. En 2020, quand il s'est agi de célébrer l'accord de Paris, les 5 ans de l'accord de Paris, puisqu'il a été signé en 2015, nous avons pensé à passer commande à Afuma, la compagnie des Chassiers, et Gabité, la maison de l'oralité, pour produire une forme qui toucherait sensiblement la génération de demain, c'est-à-dire le jeune public, des plus petits jusqu'aux plus anciens, puisque finalement on a vu que ce spectacle est apprécié par toute la famille et par toutes les générations. Et donc on s'est dit, mais ce serait vraiment dommage de ne pas amplifier ce phénomène irouayé et de ne pas en faire profiter davantage la population togolaise. Donc l'idée d'une tournée est née
On s'est donc organisé avec les compagnies. Et donc tout ça avait du sens. Et c'est pourquoi nous nous sommes engagés dans cette tournée. Je pense qu'elle a un impact certain. Je pense que les gens qui ne savent pas exactement ce qu'ils vont voir en arrivant au spectacle ressortent avec beaucoup d'étoiles dans les yeux. Et je pense que c'est très important de continuer à travailler sur ce sillon pour que effectivement les publics du Togo, au-delà de Lomé, soient sensibilisés et soient aussi émerveillés, puisque c'est leur droit, tout comme pour ceux de Lomé. Ce soir, j'ai été invitée à venir suivre une prestation du groupe Iru Aé. Bon, j'ai été émerveillée par la prestation parce que moi-même, j'aime beaucoup les choses d'art et autres. Bon, tout ce que j'ai à dire, c'est que j'ai beaucoup aimé et j'aurais aimé que ce genre de prestations soient souvent répétées dans notre zone ici, à Anicho. Le spectacle, quand on me l'a annoncé, je croyais juste à un spectacle de distraction, hein, de distraction, de divertissement des enfants. Mais le déroulement de l'activité de cet après-midi m'a confirmé que c'était plutôt à une sensibilisation à la protection de l'environnement, une des options stratégiques du pays. Irou, allez, Gabité, allez.